Au palais de la nation, des hauts magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ont prêté serment devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément à la Constitution. C'était au cours d'une cérémonie hautement judiciaire. Il s'est agi des hauts magistrats de la Cour de cassation et ceux du Conseil d'État nommés par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2022, ainsi que des magistrats de siège, membres de la Cour des comptes, nommé également par ordonnance présidentielle le 27 juin 2022. Ces hauts magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif ont juré devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions leur confiées. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment et les a félicités. Les magistrats civils des sièges conseillers à la Cour de cassation, le premier avocat général près la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, le président du Conseil d'État, les conseillers au Conseil d'État, les avocats généraux près le Conseil d'État et les membres de la Cour des comptes ont également prêté serment devant le magistrat suprême. Récemment nommé et affecté à leur poste respectif, les ambassadeurs de la RDC en Pologne, au Ghana, au Qatar, au Libéria, au Canada, au Vatican, en Corée du Sud, en Russie et en Tanzanie ont été conduits auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Les diplomates congolais ont échangé avec le président de la République sur des questions liées à leur mission dans leurs différents pays d'accréditation. L'appel aux investisseurs, l'encadrement de compatriotes de la diaspora ont notamment constitué les recommandations du chef de l'État aux ambassadeurs de la RDC. Le développement du Haut-Lomami, du Tanganyika et du Kasaï central était au menu des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec les gouverneurs de ces trois provinces, reçus tour à tour à la Cité de l'Union africaine. Pour Madame le gouverneur du Haut-Lomami, Isabelle Yumba Kalenga, sa province compte beaucoup sur les grands travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 pour son désenclavement. Le développement, mais aussi la situation sécuritaire au Tanganyika, ont été évoqués au cours des échanges du président de la République avec le gouverneur de cette province, Madame Julie Yungwa Mwayuma. Les travaux d'infrastructure, notamment sur la route Kalambambouji et le barrage de Katende, sont au centre des préoccupations au Kasaï central, a déclaré le gouverneur de province John Kabeya Shikai au sortir de l'entretien qu'il venait d'avoir avec le chef de l'État. La paix, rien que la paix, c'est la grande recommandation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au chef traditionnel originaire du Kwilu et du Kwango, reçu à la Cité de l'Union africaine. Le garant de la nation a été très sensible face à la situation sécuritaire liée à la vie des compatriotes au cours du conflit Teke-Yaka qui a occasionné des pertes en vies humaines. L'obligation a été faite à ses interlocuteurs de faire des concessions pour un retour de la paix durable dans le Grand Bandundu. Le chef de l'État a sollicité les avis des chefs religieux des milieux en conflit et leur a demandé d'entamer des pourparlers pour une solution concertée. La dizaine de chefs d'État traditionnels du Kwilu et du Kwango était venue faire le rapport au président de la République des résultats de leur démarche concernant la certification et l'authentification des kakaungu, masques soukou, restitués à l'RDC au mois de juin dernier par le roi Philippe de Belgique. Changeons de chapitre à présent. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé officiellement ce 5 septembre 2022 la rentrée scolaire 2022-2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à partir de la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo où il séjourne pour les assises de Pré-COP 27. Reportage Junior Dinanga.
C'était en présence de la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de la gouverneure de la province de la Tchopo, du vice-premier ministre de la Fondation publique, du ministre de la Recherche scientifique, du ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, du ministre du Budget et celui des Sports ainsi que les enseignants. Dans son speech, le chef du gouvernement a rendu un vibrant hommage non seulement aux élèves considérés comme l'avenir de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout aux enseignants pour les durs sacrifices endurés dans la formation des enfants. Le chef du gouvernement s'est félicité par ailleurs de la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation, un programme phare du gouvernement de la République, selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vice-ministre l'a rappelé. Je suis très honorée de me retrouver avec vous aujourd'hui ici à Kisangani. En cette journée du 5 septembre, journée de l'ouverture officielle de l'année scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Ça fait 2 ans que nous avions perdu cette habitude parce que frappés par la pandémie à coronavirus qui avait tout perturbé, et le monde éducatif n'a pas été épargné. Cette année, nous revenons à notre date idyllique. L'année scolaire s'ouvre aujourd'hui. La gratuité de l'enseignement n'est pas une priorité pour les chefs de l'État, mais une urgence. Le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à cœur ce programme et tous les enfants de la RDC doivent en bénéficier. Ce programme vit et devra vivre pour toujours. Rappelons que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé séjourne à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, pour le lancement des travaux préparatoires de la 27e conférence de parties sur le climat. L'ONG Fogeca, dirigée par Denis Kandé, a aussi remis des fournitures scolaires aux enfants orphelins dont il encadre en prélude de la rentrée scolaire 2022-2023. La cérémonie de remise a eu lieu ce lundi 5 septembre 2022 en présence du représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo. Yachi Mwadi a assisté à cette cérémonie. Suivez. Encourager les actions sociales de l'ONG Fogeca, qui signifie la présence du représentant de l'UNESCO en RDC au siège de cette organisation non gouvernementale. Sa cahier, stylo, basket ont été remis à un échantillon des enfants orphelins en vue de préparer à bon escient leur rentrée des classes, initialement prévue pour ce lundi 5 septembre. Et au nom de monsieur le représentant, chef de bureau de l'UNESCO ici, nous vous félicitons et nous vous encourageons à continuer dans cette dynamique et vous aurez le soutien, l'accompagnement de l'UNESCO au plan technique et aussi au plan de mobilisation d'autres partenaires. Pour Denis Kandé, président de cette organisation non gouvernementale, son ONG encadre plusieurs catégories de personnes, notamment les enfants de soldats qui ont perdu leur vie au front, les enfants de la rue, les enfants dont leurs parents ont été décapités par le rebelle dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que plusieurs mamans veuves à Kinshasa. Nous avons 141 enfants orphelins que nous prenons en charge. Leur scolarité, à manger, quoi s'habiller, boire, comment se déplacer. Nous avons 68 femmes veuves en charge de Fogeca. Ce sont des femmes sans force, qui n'ont pas de famille. Ce sont des femmes qui n'ont personne pour espérer dans la vie. Et nous œuvrons encore dans le domaine de paix. Il y a des conflits partout. Il y a des gens qui se battent dans nos villages, même pour des termitières seulement. Oh, il a pris l'acteur de mes ancêtres. Les gens se disputent de ça. Fogeca cherche la paix avec la population. Le bénéficiaire des actions sociales de l'ONG Forcas, dirigé par Denis Kandé, exprime leur joie. Naza maman présidente, y a ma maman veuve, y a Petro Congo. Côté Nyonzo, tous les 24 communes à Kinshasa. Papa Azana Bana Bitik, Azana Bama Veuve, Azana Moussala Mounene. Suite à son encadrement des orphelins,
L'ONG Fogeca a facilité l'obtention des diplômes de licence à 3 filles orphelines qui ont été prises en charge par Fogeca. Il convient de rappeler que l'ONG Fogeca se trouve dans toutes les 24 communes de la ville de Provence de Kinshasa. Toujours dans le même cadre, rentrée scolaire 2022-2023, le coup d'envoi a été donné ce lundi 5 septembre par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba Kazadi, au collège Elikia de la Gombe. Notre équipe a aussi effectué une descente sur terrain, a fait la ronde de quelques écoles de la capitale pour constater l'effectivité de cette rentrée. Noé Lambeau, Prisca Silulu. C'est parti pour une nouvelle année scolaire 2022-2023. Le coup d'envoi a été donné ce lundi 5 septembre par le ministre de l'EPST, Tony Mwamba, au collège Elikia de la Gombe, au complexe scolaire La Sommité, situé dans la commune de Ngaliema. Le mot d'ordre du ministre a été respecté. La rentrée est effective, mais elle est timide parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas encore là. Il y a des parents qui hésitent d'abord, on ne sait pas si la rentrée réellement aura lieu. Mais il y a déjà des enfants qui se sont présentés aujourd'hui, donc nous sommes là avec les enfants, le travail déjà débuté. Même scène vécue aussi au complexe scolaire Nira, dans la commune de Bumbu, malgré une fréquentation timide. La date qui a été donnée par le ministre, ça a été respecté vraiment. Ici d'ailleurs chez nous, on l'avait dit auparavant que nous allons respecter la date parce que nous accompagnons les ministres par rapport à tout ce qu'il a donné comme activité. Donc nous sommes très contents, nous avons les élèves, vous avez vu d'ailleurs, les images parlent, vous allez voir que chez nous ici, les premiers jours, mais c'est comme si nous étions déjà, la rentrée déjà faite depuis plus d'un mois. Bien que l'effectif des élèves n'était pas nombreux, mais cela n'a pas empêché les enseignants d'enseigner. Oui, les constats dans l'ensemble, je ne connais pas, mais ici chez nous à l'école, je dis que la rentrée a été effective. Bien que vous savez que chez nous, quand on fixe la rentrée, les parents d'eux-mêmes, ils ajoutent encore quelques jours. Mais chez nous, bien que cela c'est fait chaque année, mais pour cette année, en tout cas, aujourd'hui, nous avons senti que les élèves ont répondu. Bon, le nombre d'élèves par rapport à l'effectif que nous avons enregistré, donc, ils n'ont pas vraiment répondu massivement. Mais est-il que dans les descentes, il y a eu quand même des élèves. Motif de satisfaction pour les élèves qui retrouvent leur chemin de l'école après la grande vacance. Très bien, on a étudié. Selon le parent, rencontrer la timidité de la rentrée scolaire est due aux conditions de vie qui n'ont pas permis aux parents de se procurer à temps d'effort. Dans cette même perspective, la Fondation Mwimba Texas, coordonnée par Glody Mwimba, a procédé à la remise des kits scolaires aux enfants vivant avec albinisme et aux nécessités. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier dans la salle de conférence de la Commission nationale de la jeunesse. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Quittons Kinshasa pour l'est de la République démocratique du Congo. Les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo ont sillonné la ville de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le 3 août 2022, avec à la tête de l'équipe le général-major Peter Chirimwami, commandant de la 32e région militaire, qui s'est adressé à la population de Bounia et à ses environs, leur demandant de faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo pour sa sécurité en cette période de l'état des sièges. Suivez ce reportage de la presse militaire de l'Ituri. Assurer la défense de la ville de Bounia, la discipline militaire, l'esprit des corps et la mise en condition des unités de la garnison du chef-lieu de l'Ituri, telles sont les missions dévolues au commandant de la 32e région militaire. L'accomplissement de cette lourde tâche nécessite que des efforts soient fournis constamment. C'est dans ce cadre que le général-major Peter Chirimwami a organisé une marche d'endurance physique ce samedi. Et
l'état-major de la 32e région militaire, point de départ de la dite marche, les éléments de FRDC ont sillonné les différentes artères de Bounia. Question de rassurer la population de leur engagement et promptitude à répondre à toute éventualité, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FRDC à Ituri. La marche d'endurance organisée par le commandant de la 32e région militaire, le général Thierry-Mouane Nipiter, sur l'instruction du gouverneur militaire et commandant des opérations, a l'unique objectif d'assurer l'endurance physique, morale et ainsi l'esprit de corps qui doit nous caractériser comme une armée. C'est à ce juste titre que chaque samedi, toutes les unités de la garnison de Bounia participent à cette marche d'endurance, justement aussi pour montrer notre détermination à protéger la population, être prêt à répondre à toute éventualité d'une quelconque menace dans la ville de Bounia. Rappelons que c'est sur instruction du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Bouyanka Chomo Johnny, que chaque samedi, une marche d'endurance physique est organisée au chef-lieu de l'Ituri, à laquelle prennent part toutes les unités de la garnison de Bounia, une façon de créer la cohésion et le reconditionnement physique, car dit-on, un esprit sain. Restons à Ituri, dernier hommage aux vaillants militaires tombés sur les théâtres des opérations en Ituri. Le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyaka Chama Juni, a préparé à cette cérémonie pour saluer leur mémoire. Gilles Ngongo, porte-parole des FARDC. De la morgue de l'hôpital général des références de Bounia à l'aéroport national de Morongo, des hommages ont été rendus à ces deux militaires, le major Kanedi Muzinga, diplômé d'état-major et soldat de première classe au Paso Soulemani. Tous les deux éléments de la Talske Force Garde Républicaine sont tombés sur les champs d'honneur armes en main pour la défense du territoire national, précisément à Loloa, en territoire de Mambasa. Ces vaillants éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont servi les pays sous les drapeaux avec abnégation dans les différentes opérations en territoire de Ndjougou contre les miliciens Kodeko à Libri, Nyangaraï et Ngongo. De même, en territoire d'Iromou, à Boga, Tchabi, contre les ADEF. C'est le vendredi 2 septembre que leurs corps ont été ramenés à Kinshasa, où les honneurs dignes du sacrifice et du service rendu à la nation leur seront réservés. C'était là un reportage de la presse militaire rendu par la rédaction Face Télévision. Autre chose à présent, il a choisi de soutenir gratuitement les jeunes porteurs de projets de la République démocratique du Congo. Lui, c'est Amani Advice, consultant en implantation d'entreprises. La sortie officielle de cette agence a eu lieu le samedi dernier à Silkin Village au cours d'un point de presse. Suivez ce point de presse. Les aider à devenir indépendants, trouver du boulot, créer même de l'emploi. Je pense qu'en 5 ans, c'est tout ce que j'ai fait durant toutes ces années. J'ai battu des campagnes, j'ai organisé beaucoup d'événements avec mon ONG, avec ici et ailleurs, avec ce fardeau d'aider la jeunesse. Devant le chevalier de la plume et du micro le samedi dernier, la présidente de l'ONG Amani Advice, Linda Kabumbu, a affirmé sa volonté d'accompagner les jeunes Congolais dans l'entrepreneuriat. Ceci permettrait à plusieurs jeunes filles comme garçons de créer leurs entreprises partout en République démocratique du Congo dans le but d'améliorer leurs conditions de vie sociale. Depuis l'un des partenaires d'Ici Ailleurs, magazine, nous sommes ouverts. On ne peut pas réussir ce que nous faisons sans travailler en partenariat avec ces entreprises de l'État. Par exemple, l'OPEC. Il y a aussi le guichet unique et tout qui doivent nous accompagner pour les aider à régulariser leur entreprise. Donc ce sont des partenariats que nous voulons faire.
Donc, j'aimerais vraiment lancer déjà un appel à toutes ces entreprises de l'État, à quelques entreprises aussi bien positionnées ici, de nous ouvrir déjà les portes parce que nous voulons avoir des partenariats avec eux, que ça soit officiel, qui nous accompagne comme ça. Lorsque nous emmenons ces personnes, que la procédure soit beaucoup plus facile et flexible. Occasion pour le bénéficiaire de ces coachings en entrepreneuriat de cette agence de remercier Madame Linda Kabombo, la fondatrice. On parle de France Structure dans le cadre de ses vacances parlementaires. L'honorable Christine Fezamotema a effectué une descente d'inspection la semaine dernière à la station de captage d'eau à Mbinza Ozone. Il était question de se rendre compte de l'évolution des travaux. Noé Lambo nous en dit plus. Dans les soucis de mieux faire son travail et d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, l'honorable Christelle Fezamotema, élue de la Lukunga, présidente AI du regroupement politique Alliance pour l'Avenir de son Excellence Pius Mwabilo, a effectué une descente d'inspection la semaine dernière dans le cadre de sa vacance parlementaire à la station de captage d'eau de Mbinza sur le fleuve Congo, sur l'avenue du tourisme et au complexe industriel de traitement d'eau potable de Kinshasa, zone située dans l'ancêtre de la conception de régie des eaux de Mbinza Ozone. Il est question de s'enquérir de l'état d'avancement de travaux. Le lieu de la Lukunga était accueilli à son arrivée par l'équipe des CEPO et WITEC, les entreprises qui exécutent les travaux. Christelle Feza a constaté que près de 89% des travaux ont déjà été exécutés pour ce qui est de la première phase. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi de Tshilombo, pourrait inaugurer ses centres de captage d'eau d'ici fin décembre 2022 pour mettre fin aux problèmes d'eau dans les communes de Ngaliema, Mongafula, Kintambo et une partie de Selimbao. Bouclons ce journal avec cette note. Les communes de Lemba, Ngaba, Makala, Kalamu seront connectées à Ngiringiri à travers l'avenue Kikwit qui est en pleine réhabilitation et construction. Une route qui va désengorger le boulevard Lumumba dont les travaux ont été initiés par le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jontini Ngoubila, et qui reçoivent les éloges des habitants de ces communes. Suivez. Ngana botami awa na venin kana lelo to komo mona keno nzela oyo bakomo réhabiliter ngo e kende ti na bakomo ba bandal soki nzela oyo esili mutaka uta changu ole azwa Lumumba Lumumba triomphal abima bandal azimba mo boya gagner temps azimba mo bo djoso ki kwiti abimi yolo yolo abimi ti bandal ti bakomo ni mususu lelo to komo na keno bakomo ko tonga soko pon ya munene awa awa to za na venin ki kwiti. Tout précisément na croisement na Fayala. Kikwit oyo bandi ko banda deuxième porte et kei ti na elengesa. Misala izo sala mamalam. To moni to kanisa ki ke musala oyo e kosuka kaka kuna na deuxième porte. Mitango to moni ba bandi ko betoner ti kotoyo. To moni ke non Jantini Kubila aza déterminé pour na ko changer mboka oyo. La moto na sait déjà 10 ans mais awa na za arrivé na komi mère. Vu que nous avons bien été dans nos bouddhas, dans nos bons mères, la marque comme elle, la France comme elle est vraiment, nous avons vraiment fait. C'était parce que nous avons vraiment ma bé, surtout Awa, nous avons vraiment propreté, à ta moto, moi, les gens qui vraiment tout. Vraiment, nous avons aussi remercié la chef de l'État parce que depuis Belge, j'ai dit que nous avons 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 dit que papa fanana o fierté na biche zali ba route zali belebele to sepeli vraiment ande bazo fungola mombele c'est le Congo qui gagne. C'est par ici que se boucle cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique de Face Télévision, à l'équipe rédactionnelle. Merci à Junior Dinanga. Bonne suite de nos programmes. Thank you.